Elles constatèrent bientôt que la végétation qui le couvrait appartenait à des océans lointains et à des eaux profondes. Et que ses habits étaient en lambeaux, comme s'il avait navigué dans des labyrinthes de corail. Elles notèrent également qu'il subissait sa mort avec fierté, car il n'avait pas l'air esselé des noyés en mer, ni la mine sordide des pauvrettes des noyés de rivière. Mais ce fut quand la toilette fut terminée qu'elles prirent conscience de la véritable classe du mort. Non seulement c'était l'homme le plus grand, le plus beau, le plus viril et le mieux pourvu qu'elles eussent jamais contemplé, mais plus elles le regardaient, et plus il débordait du cadre de leur imagination.